Donc j'ai une troupe de 8 danseurs et on a commencé depuis le Zénith de Paris. On a bossé en amont durant des mois pour arriver à un show que le public apprécie aujourd'hui. Donc le Zénith, c'était quand même quelque chose de géant. On big up Cyril aussi à la production. Et donc 6500 personnes au Zénith, une foule en folie, c'est une foule en folie vraiment. On a fait le Palais des Sports du Gosier en deuxième étape en Guadeloupe, où là on a eu plus de 5000 personnes aussi, et le public super réceptif. Aujourd'hui on arrive en Martinique, c'est l'heure de la balance, on est là, l'équipe est prête, on va répéter encore une dernière fois pour ce soir. On a deux dates aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, et on espère que le public va suivre, puisque nous en tant qu'artistes sur scène, on kiffe la vibes, on kiffe que notre public kiffe aussi cette vibes. Donc on arrive à offrir un show unique. Qu'est-ce que je pense de l'artiste Admiral? C'est un homme bon, un homme gentil, un homme rempli de qualité, beaucoup de maîtrise de soi, qui de nos jours est très 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 importante. Donc je pense que ce concert sera riche en émotions. Là, il y a deux jours, on était en Guyane. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui 13 mai. Date annoncée complète, 14 mai, date annoncée complète. Donc je pense que ça va être comme les autres concerts, hein. Ça va être bad, beaucoup de vibes. Là en plus on est en Martinique, on est chez moi, donc c'est pas tout le temps que je me produis sur scène avec Admiral en Martinique. Alors ça se passe à l'Atrium, donc on a fait une belle balance, donc ça va sonner. Ouais, je pense qu'il va avoir des bons moments, Admiral qui va foutre le feu comme on dit. Je sais que le concert il était déjà complet, même avant ce soir, donc ça l'a caille plein. Elle fait, on a senti qu'il y a une bon vibration dans l'atrium là, donc content et paré.
En plus, mais toujours un gros plus quoi. Et même vocalement, moi je trouvais que ça était bien. Physiquement, le show, ça donne. Ben, comme d'habitude, je crois que c'est le troisième de ses concerts sur les trois derniers albums. Toujours égal à lui-même, beaucoup d'énergie, de messages positifs. Je l'ai regardé comment il a bougé du début jusqu'à la fin. Moi-même qui a bougé, je l'ai rajouté, je l'ai regardé comment il a fait. Je me suis attiré beaucoup de gens pour ça. Donc, ça a été très varié. Donc, je pense que tout le monde l'a attrapé pour Gouyo. Ouais. C'est la première fois que j'assiste à un concert d'Admirati. J'ai apprécié. Il avait beaucoup d'énergie. J'ai aimé son show, les danseurs. Admirati, il a assuré le show. Danse, lumière, lui. Tout était vraiment super chaud.
Je pense que le public a vraiment montré, hein, puisqu'on a voulu une date supplémentaire. Le show, il a démarré, c'était à septembre, c'était cool. Et ensuite, ils ont mis le feu, donc ça a été... Au top. Franchement, rien à dire à refaire. Le show super bien. Les voisins des gars des autres, avant qu'on se rendait à 10 autres, ça dégage bien passé. Franchement, le peuple était présent. Là, j'ai que de bons retours aussi. Là, j'ai vu avec les gens, ils étaient super contents de la soirée, du spectacle. Et, ça a fait plaisir, quoi. C'était bien, c'était chaud. L'ambiance était chaude. J'avais même moi-même tellement chaud qu'à un moment même, j'ai failli tuer mes retours. Mais à force de transpirer, la vibe et la chaleur et la force, avec Admiral, Kalash et le restant, les danseuses et le restant du groupe, on va remettre ça ce soir, bien chaud. Et puis bon, c'est bien de jouer à la maison de temps en temps, de revenir ici. Ben, ça fait un gros event, hein. Hier, il y a eu le feu. Pour ceux qui sont là, je pense que vous allez prendre votre pied. Et on va faire tout ce qu'il faut pour ça. On va mettre le feu. Moi, je suis derrière la batterie, Admiral devant la scène avec les musiciens. On a monté un bon show, danse, lumière. Boum, patak, wakaboum. Le public était réceptif, le public était là. Voilà, on big up le musicien qui est avec nous. Il fallait faire les gens de se mettre debout quand même, puisque bon, comme c'est une salle assise, donc on a plutôt tendance à s'asseoir et à écouter. Ce soir, comme on s'est bien reposé avant, donc ce soir, c'est mash-up d'Hitless. La première fois que je viens en Martinique. Et je trouve que les gens nous sont très très bien accueillis. Les gens sont chaleureux, ils prennent soin de nous. On se sent accueillis. Donc pour moi, il était inconcevable de rater ce concert. C'est vraiment un artiste que j'affectionne depuis des années, que je suis. Ce soir, je suis présente pour qu'il puisse présenter ses nouveaux morceaux du nouvel album et les anciens. Et aujourd'hui là, par contre, c'est le dernier show aux Antilles de cette tournée-là. Et encore moi, c'est que ça qui est malade même. De toute façon, nous qui sommes allés, c'est menti. Ok? Rhythm cha! Hinidit! Boom! Hier, le concert était vraiment, vraiment, vraiment bien, avec une ambiance pays, locale, et puis son, t'es qu'à descendre, mais fort, fort, fort même. C'est un bon artiste guadeloupéen, une certaine ouverture d'esprit, une certaine ouverture musicale aussi. Donc je suis sûr et certain qu'il va mettre le feu ce soir et qu'on en aura pour notre argent. Je le trouve bien. J'aime bien ses chansons. Un petit message, mais voilà. Hein. Bon, ceux qui n'ont pas pu être là, c'est dommage. Il y aura encore d'autres concerts, okay, d'autres concerts. Et puis bon, donc on va profiter de l'instant présent parce que non, ça c'est spectacle vivant. À pas pour rien voir les spectacles vivants. Donc, avec les musiciens, avec les danseurs, show là qu'on nous fait un peu tout partout. Donc, c'est profiter de l'instant présent et puis nous-mêmes nous parer. Ok. See you.
Madame Cosa Bella, nous tous nous sommes Cosa Bella, Cosa Bella, Madame Cosa Bella, la nuit Cosa Bella, Cosa Bella, Madame Cosa Bella, nous tous nous sommes. Tes premières fois, tes premières larmes auprès de toi, ne t'inquiète pas. Tes échecs et tes victoires, même tard le soir, dès que tu auras besoin de moi, je serai là. Là, je serai là. Je t'aime, papa. Thank you.
vraiment ce qu'on attendait d'Admiralty. Un show magnifique, du 200% du début à la fin. Comme d'habitude, rien n'a changé. Le gars, il est au top. Non, franchement, bonne ambiance, rien à dire. C'était génial, franchement. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont raté quelque chose. C'était vraiment bien. Ben, le concert au top, rien à dire. Admiralty l'a assuré du début à la fin. J'ai trouvé ça bien agréable. C'est très physique aussi. Des sons de montée, c'était pas évident quand même. Mais nous sommes jeunes, mais ça a été bien agréable. Ouais, les danses étaient super, franchement. Et puis les anciennes musiques qui étaient au rendez-vous aussi, y'a rien à dire. Sauf qu'il y a du travail, il y a du potentiel, c'était vraiment top. Rien à dire, moi j'ai apprécié du début à la fin. J'étais là en train de prendre mes notes, là t'as vu, comme un petit écolier en train de regarder. Franchement, il y a du boulot. Super taf. Alors vraiment, c'était génial, j'ai adoré. En plus, il est venu vers nous, il est très généreux, professionnel, sa voix est intacte, il fait jouer ses enfants. Tout le monde, vraiment l'équipe, les musiciens, ils sont beaux, ils sont vraiment, je n'ai plus les mots. C'est génial, je reviendrai, je l'ai touché, vraiment, que d'émotion, quoi. Vraiment au top, Admiral, reviens nous voir. Le concert était génial, ça fait très longtemps, mais vraiment très longtemps que je n'ai pas vu un concert aussi chaud, aussi bon, aussi bien préparé. Certains artistes devraient en prendre de la crème. C'était un très 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 bon concert. On a vu un concert de haut niveau. Très franchement, j'étais impressionné de voir comment ça s'enchaînait. On sentait que là, il y avait du level. Vraiment, on s'est éclaté. Mon fils, je crois que c'est la première fois qu'il ne s'est pas ennuyé à un concert. Admiralty, tu es au top. Vraiment, on s'est éclaté. On en redemande. Il était au top le concert. Super génial. C'est à refaire. Et franchement, les artistes, les danseurs, au top. Et super les enfants aussi. J'ai fait un gros bisou à mes copines, Balou, Ilia et Niji. Ben, c'était super cool, j'ai bien apprécié. J'étais devant, c'était un peu difficile de voir l'artiste. Je pense que tout le monde était debout, mais c'était vraiment bien, c'était super. Impeccable, vraiment. Génial. Génial, au top. Alors, toi, je pense que... Ça témoigne. On s'est beaucoup amusé. Ah ouais, franchement, s'il revient demain soir, on revient. On reviendra toujours. Ah ben c'était très sympa, on a trouvé ça bien, on s'est bien amusé, on a sauté. Un showman et c'était vraiment super. C'est surtout ça, un showman de la musique, de la danse. Les chorégraphies. Ah ouais, vraiment super les chorégraphies. Non, c'était du Admiralty dans toute sa splendeur, on va dire. Non, c'était vraiment. En plus de ça, on l'avait vu il y a 10 ans quand il avait fait le show avant Sean Paul. Et on voit l'évolution de l'artiste et vraiment, on a passé un très bon moment. Non, super. Voilà. Le mot de la fin, merci. Super, super concert, super vibe. Et en capacité, on a passé un bon moment. Même moi, en coulisses, ça passe un bon moment. Donc, super, rien à dire. Japonais. Bah! Franchement, là, ni pour remercier peuple, parce que vraiment, ce là, ça a encore même plus des manques la veille. Vraiment, peuple, t'es vraiment en bon vibes. Chaud là, moi-même, j'étais encore plus en forme qu'hier. J'ai vraiment pris mon pied sur la scène et les musiciens, les danseurs, eux aussi. Franchement, là, ils ont vraiment été contents de faire chaud là, ça ici. Et en cas de peuple, merci, merci en l'eau. Parce que sans peuple, on ne peut pas faire chaud là, sans peuple. OK? Donc merci en pile, en chaise, en salle. Mais bon.